Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la course en Malaisie sur le circuit de Sepang. Course qui devrait se dérouler en partie sur le sec, hein, puisqu'ils ont annoncé 48% de chances de pluie, comme je vous l'avais annoncé pendant les qualifs. Donc les qualifs, hein, vous avez vu, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ça a été compliqué et donc depuis ces qualifs, hein, depuis Sepang, j'ai mis le mode DRS 2013. Donc vous avez pu voir la différence pendant les qualifs. Et donc voilà pour au niveau de la stratégie, hein, je pars en stratégie de carburant normal. Et on va rejoindre la grille de départ pour tenter de vite grappiller des places. Parce que même si je suis pas si mal placé en étant cinquième, ça pourrait être pire. Mais ça pourrait être mieux aussi. Donc une fois de plus, on a les Red Bull aux avant-postes. Donc on va essayer de bien s'élancer. On va essayer de vite se débarrasser de Rosberg et Pérez, hein, qui connaissant Pérez et sa conduite. Donc le départ est donné. J'arrive à m'élancer plutôt pas mal. Je me débarrasse de Rosberg. Je suis juste derrière Sergio Pérez. Et là, je perds un peu de vitesse, hein. J'ai Rosberg qui me dépasse. Weber aussi. Je suis un peu dépassé de tous les côtés. Et il manquait un petit peu de vitesse. Je sais pas ce qui s'est passé. Massa passe à son tour. Button. J'ai Gutiérrez qui passe aussi. Bianchi qui vient s'interposer là, on sait pas du tout où il sort. Di Resta qui est passé, Cédric qui est passé aussi. Je suis au coude à coude avec une Toro Rosso, celle de Vergne. Di Resta qui a été un peu tassé sur le bord de la piste à l'extérieur. Cédric là, qui se fait un peu coincer à l'intérieur. Là ça se touche un petit peu entre la Toro Rosso et la Force India. Et j'arrive néanmoins à rester derrière Cédric. La Gutiérrez qui s'est complètement loupé avec sa Sauber. Et qui est en train de prendre un petit peu. Qui est en train de se faire semer. Et là, Cédric est à l'affût derrière la Marussia de Jules Bianchi, qui est miraculeusement arrivé à la 8ème place. On se demande comment ça a pu être possible. Donc, premier tour déjà avec pas mal de surprises. Moi, je me suis complètement loupé. J'étais pourtant bien parti, mais j'ai manqué un petit peu de vitesse. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé en fait, je me suis fait déplacer de toutes parts et bon, pour éviter le contact, il a fallu se laisser faire un petit peu entre guillemets, puis de toute façon voir après par la suite si on pouvait essayer de revenir. Donc là ici on arrive au freinage avant la grande ligne droite, un freinage un peu technique. J'ai failli un peu rentrer dans Cédric, heureusement je me suis complètement écarté. Et donc avant l'issue de ce premier tour, on va jeter un œil un peu au départ, hein. C'est un petit replay un peu tardif. Mais on va quand même jeter un œil à ce qui a pu se passer au départ. Donc le départ va être donné. Donc je le passe au ralenti. Donc effectivement je me suis pas trop mal élancé. Cédric aussi, hein, il est plutôt bien parti, hein, il s'est infiltré à l'intérieur. Et là ici, c'est vrai que pourtant j'étais bien engagé. Mais j'ai vu que ça se resserrait un peu de tous les côtés et que j'avais un peu des voitures qui venaient de partout. Du coup j'ai un peu ralenti, un peu même beaucoup ralenti, puisque pas mal de voitures se sont infiltrées. Et on voit Jules Bianchi, hein, qui a été extrêmement opportuniste, qui a profité un petit peu de tous ces ralentissements. Cédric finalement, involontairement, je l'ai complètement gêné, hein, puisque s'il a été doublé par Bianchi, c'est un peu de ma faute. Et du coup ça a été un petit peu chaud, il est un peu là, on s'est un petit peu frictionné, hein. On voit les trois voitures de front, la Toro Rosso de Jean-Éric Vergne, nos deux Lotus, hein, qui étaient roue dans roue à l'intérieur du virage. Ça a été vraiment très tendu, mais malgré tout il n'y a pas eu de casse, et ça c'était vraiment l'objectif premier, ne pas abîmer les voitures. Et aussi au second freinage, donc j'ai fait un peu durer le replay, on voit que Vergne est allé pousser un petit peu la Force India de Di Resta. Moi j'ai une Mercedes qui est venue me pousser un petit peu aussi à son tour, je crois que c'était celle de Rosberg. Et du coup ça a été un peu chaud, donc voilà, on arrive à nouveau au direct et on revient sur la fin de ce premier tour, où Cédric est aux prises avec la Marussia de Jules Bianchi, qui est complètement hallucinant puisqu'elle est 8ème. Et on se demande comment ça se fait qu'une voiture comme celle-ci puisse être aussi bien placée. Mais je pense que, vu l'écart de puissance, elle devrait pas tarder à se retrouver à sa place au milieu du peloton en fait. Donc là, moi pour l'instant, je suis mon coéquipier.
Et je dois dire que pour l'instant, ça se passe pas trop mal, je me fais pas décrocher. Derrière, il y a un petit trou qui s'est formé puisque Gutiérrez, qui a certainement eu des petits loupés, a permis... Ah non, Gutiérrez est juste derrière moi. Donc c'est derrière Gutiérrez qui a eu un petit trou. Je sais pas quel est le pilote qui est après derrière dans l'autre petit paquet, mais il y a effectivement un trou qui s'est formé. Mais bon. Donc pour l'instant, Cédric qui continue à mettre la pression sur Bianchi. Moi, je suis juste derrière Gutiérrez qui me suit à son tour. Là, on est vraiment les 10-12 premières voitures. On est vraiment tous en paquet. Et ici, il y a un énorme ralentissement. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai été obligé d'aller me foutre en dehors de la piste pour éviter de percuter Cédric. Du coup, j'ai pas abîmé la voiture, heureusement. Par contre, le panneau de 50 km/h a dégagé. Là, j'ai vraiment eu de la chance. Ça aurait pu avoir de plus grosses conséquences. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Bianchi, peut-être, qui s'est loupé. Ici, une fois de plus, là, le freinage qui est vraiment très tôt pour l'entrée dans le virage. C'est assez compliqué. Hein. Ça fait deux fois que je manque de percuter Cédric. Il faudrait que je le double. Parce que j'arrive à être plus rapide que lui. Et effectivement, dans les freinages, donc on voit ici, au freinage, je l'ai doublé sans trop de problème. Et maintenant, je vais dépasser Bianchi avant la ligne de départ arrivée. Voilà, c'est chose faite. Et je pense que Cédric, si c'est pas dans ce tour-là, il devrait arriver avec le DRS à doubler sans trop de problèmes. Alors que devant, c'est un peu la cohue. On voit les McLaren de Button, la Mercedes d'Hamilton, les deux Red Bull. On voit qu'il y a effectivement un petit paquet qui s'est formé de 3-4 voitures. Et puis après, on a les trois hommes de tête, où on devrait trouver Vettel, Alonso. Ah non, Alonso, il est en tête de ce petit groupe. Alors donc il devrait y avoir Vettel, Perez et je sais pas qui est troisième. Peut-être Raikkonen. Non, pas Raikkonen, qu'est-ce que je dis? Parce que j'ai sa voiture. Donc je ne sais pas qui est le troisième. Bon, on verra bien. Pour l'instant, Bianchi est toujours derrière moi. Cédric n'a pas réussi à s'en défaire. Donc Button qui est toujours juste devant moi. Ce petit paquet qui avance pas forcément très vite, hein, qui se gêne. Et ici je me monte dans les rétros de Button, mais ça ne passe pas, c'est un peu juste. Mais en même temps, c'est pas un endroit où on peut vraiment dépasser ici. Là, on va arriver aussi, faire attention de ne pas se louper au freinage, qu'il n'y ait pas d'accrochage, ça freine fort hein, quand même. Alors voilà ce que je vous disais pendant les qualifications, c'est que j'ai l'impression qu'avec le mode pour le DRS, hein, j'ai l'impression que le comportement de l'IA est un peu perturbé. J'ai l'impression qu'ils sont plus lents qu'un qualif, même beaucoup plus lents qu'un qualif. Et ça, c'est assez étrange. Et ici, j'ai dépassé donc Button, vous avez vu, hein, la sortie du virage. Là, je suis venu mettre la pression sur Weber avec le DRS. Malgré tout, c'est pas passé et je m'empare du meilleur temps, qui est dans un temps plutôt médiocre, hein, puisque c'est un temps en 1:43.406. Alors, je vous entends déjà dire oui, mais t'es passé en intermédiaire, c'est pas du légende, c'est pas possible, t'as triché. Non, j'ai pas triché. Je suis toujours en légende, mais là, le bug, le mode DRS 2013, là il y a un truc qui va pas en tout cas, mais pour l'instant je fais ma course. Donc j'ai réussi à venir à bout de ce petit groupe de voitures. Donc on a vu que c'était Massa hein, qui était troisième, et Alonso, donc on a Vettel, Alonso qui sont devant. On va essayer d'aller chercher les deux pilotes. Alors c'est soit effectivement mais ce que je pense c'est vraiment être le plus probable. Le mode qui perturbe sur ce circuit en particulier hein, les performances de l'IA, soit c'est ma voiture qui est deux fois plus performante que la concurrence. Malheureusement, ça j'ai pas pu vraiment tester le mode avant de le mettre en place, mais là à l'heure où je vous fais le commentaire de la course, j'ai déjà joué la course suivante. Et pour tout vous dire, le problème que l'on peut observer ici sur ce circuit ne s'est pas répété. Donc je ne sais pas ce qu'il y a, peut-être sur ce circuit-là en particulier, un bug ou quelque chose. En tout cas,
C'est vrai que c'est assez étrange. Pour l'instant, j'enchaîne les meilleurs temps autour alors que je suis pas vraiment performant. Et je suis revenu de façon très rapide sur Alonso. Hein. Vraiment, on a l'impression que j'ai baissé le niveau de l'IA. Mais je vous ferai voir en fin de vidéo que je n'ai rien touché du tout. Alors vous me direz peut-être que j'ai pu couper la vidéo et changer le niveau de difficulté. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez me croire. Ou pas. Donc on est dans le cinquième tour, on n'est pas encore à la mi-course. Le ciel est de plus en plus menaçant. Et du coup, peut-être qu'il va y avoir des arrêts au stand pour changer les pneus, hein, si la pluie se mettait à tomber. En plus de changer les pneus pour passer les pneus durs d'ailleurs. Alors pour l'instant j'améliore les meilleurs secteurs. Alonso est juste devant moi, je suis bien remonté sur lui, mais c'est vrai que c'est quand même Alonso. Il y a quand même du niveau. Donc il va falloir voir comment le doubler le plus proprement possible. Et ici au freinage, en fait on dirait que c'est le mode de freinage qui est le point de freinage pour l'IA qui a sauté. Hein. Donc du coup l'IA freine 2 km avant le virage. Mais bon, même en ligne droite, elle revient pas forcément sur les accélérations, c'est bon. Là, j'avoue que j'avais le DRS en plus. Et maintenant, j'ai Vettel en ligne de mire. Et les arrêts au stand vont commencer puisque les stands m'appellent. Je pense que je vais pas être le seul, à mon avis, Vettel et Alonso vont rentrer également pour changer les pneus. Bah pour l'instant, tout se passe bien, on va bientôt arriver à la mi-course, à la fin de ce tour, on y sera, hein. Enfin, à la fin du prochain tour, disons, ce sera plus proche de la mi-course. C'est vrai que le mode pour l'éclairage sur les pneus est plutôt sympa, hein, parce qu'on a vraiment cette impression de graining sur les pneus, c'est plutôt réaliste. Et là, je reviens inexorablement sur Vettel. Plus qu'une demi-seconde de retard sur le pilote allemand. Ah, ils prennent vraiment les virages au ralenti, enfin surtout celui-là en tout cas. C'est bizarre hein, parce qu'il n'y avait pas ce problème de performance pendant les qualifs, c'est vraiment très étrange. Et là avec le DRS, là je reviens sans forcer sur le pilote allemand qui s'engouffre dans les stands tout comme moi pour aller chausser ses pneus. D'ailleurs il a failli se louper, hein, il a fait un petit travers. Ça a été chaud pour le pilote de la Red Bull. Et c'est parti, l'arrêt au stand. On voit que chez Ferrari aussi ils attendent une voiture, j'imagine que c'est Alonso qui va s'arrêter en même temps. Et on est reparti, et je repars donc devant Alonso, et juste derrière Sébastien Vettel finalement, et j'ai rien perdu. Et par contre, on a d'autres pilotes qui ont pris la tête de la course en attendant, et qu'ils vont s'arrêter dans le prochain tour. Cédric qui est passé devant et qui a pris la troisième place, provisoire. Et lui aussi, il va falloir qu'il effectue son arrêt au stand. Et là, vu qu'on a les pneus qui sont pas en température, je vais mettre la pression sur Vettel. C'est vraiment une course pipée, une course qui a pas de saveur finalement, puisque c'est presque trop facile. Et là, pourtant, je suis vraiment en légende, je peux vous l'assurer. C'est dommage que je puisse pas vous le prouver en pleine partie. Alors que c'est Hamilton qui s'est emparé de la 5ème place juste derrière moi. Là on voit encore les petits morceaux de panneaux hein, que j'ai cassé tout à l'heure. Alors qu'on nous annonce de la petite pluie dans 5 minutes. On va voir si il y a une nécessité d'entrer au stand pour les chausser des pneus de pluie ou intermédiaires. Hamilton a moins d'une seconde derrière, donc s'il y a
possibilité, il utilisera le DRS. Mais à entendre les bruits des moteurs des pilotes hier, on a vraiment l'impression que les moteurs sont en sous-régime. C'est vraiment super étrange, il y a vraiment un truc qui est bizarre. Alors que mon coéquipier et les trois pilotes qui étaient devant s'engouffrent dans les stands pour effectuer leur arrêt. Je vais donc très logiquement récupérer la tête de la course. Et Vettel a récupéré la deuxième place, suivi de Fernando Alonso. Allez, maintenant il reste plus que 7 tours, hein, à la fin de celui-là il en restera plus que 6. Et le ciel qui est de plus en plus menaçant, donc on ne devrait pas tarder à avoir de la pluie. Enfin, ils l'ont annoncé, hein, dans 5 minutes. Bon, à l'échelle du jeu, je sais pas trop ce que ça peut donner. On verra bien. Alors que là, c'est vraiment une promenade de santé, hein. Là, vraiment, on force pas. C'est vraiment dommage. Enfin bon, si on avait su avant, on n'aurait pas installé le mode. En tout cas, pour l'instant, je mène la course sans vraiment trop forcer. Et pour l'instant, j'avoue que j'ai pas trop de difficultés. À prendre de la distance sur les pilotes qui sont derrière moi, c'est vraiment impressionnant, parce que autant sur d'autres circuits, c'était les pilotes IA qui mettaient une distance phénoménale à mesure qu'on avançait dans la course, autant sur cette course là c'est inverse. En tout cas, on notera un joli doublé des Ferrari, hein, qui sont 3ème et 4ème pour l'instant. Si toutefois Vettel n'a pas de problème mécanique et que ça va jusqu'au bout, on aurait presque pu avoir un doublé Ferrari sur le podium avec moi. Je me demande où est passé Cédric. Attendez, on va regarder ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il doit être 7ème ou 8ème. Dommage pour lui, au jeu des arrêts au stand. En décalant un petit peu, il n'aura pas gagné grand chose, si ce n'est rien. Je fasse quand même un petit peu attention, on a vu la voiture qui a failli se dérober un petit peu à la réaccélération. Mesurer un petit peu l'écart qu'il y a avec les pilotes qui sont derrière moi, la ligne de chronométrage, et je sais pas d'ailleurs, on n'a pas encore le chrono. Tout ce que je sais, c'est que j'ai amélioré mon meilleur tour. Mais du coup, j'en ai loupé de regarder l'écart que j'avais avec les pilotes qui étaient derrière. Bon, c'est pas grave. Allez, plus que 4 tours maintenant. Je me suis un petit peu loupé, je suis un peu trop à l'intérieur du virage. Alors que les stands m'annoncent qu'il commence à tomber des gouttes. Elle commence à pleuvoir et c'est bizarre parce que pourtant j'ai rien vu sur la piste. Là, d'ailleurs, je me suis un peu déconcentré, je suis allé taper la quille.
Alors, est-ce que l'IA avait prévu des réglages pour la pluie, avec moins de vitesse de pointe, plus de... je sais pas. Non, je pense pas, c'est que je pense qu'il y avait vraiment un bug avec le mode DRS 2013 sur ce circuit. Ça m'embête de vous proposer une course comme ça, elle a vraiment pas de saveur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. J'avais testé le mode, hein, mais sur une course, et il m'avait pas semblé avoir eu de problème plus que ça. J'avais fait un Grand Prix, un week-end de Grand Prix, et j'avais pas rencontré de problème. Et là, il se trouve que c'est un peu n'importe quoi. J'espère que je vais me rendre compte que j'ai risqué d'avoir soufflé un petit peu dans le micro. J'espère que j'ai pas soufflé tout le monde dessus. J'ai toujours pas vu de pluie pour l'instant sur le circuit. On arrive bientôt à la fin de la course. On va essayer de voir un peu les écarts là où on en est. C'est un petit moment que j'ai pas regardé. J'ai 14 secondes d'avance sur Vettel. Ah oui, là effectivement, dans ce virage là, il tombe des gouttes. Du coup, je vais choisir de passer des intermédiaires. Donc je préviens les stands. Je les passerai peut-être au prochain tour. On va voir comment évolue cette pluie. Alors que j'améliore le meilleur temps autour. Là, je reviens sur Valtteri Bottas qui est bon dernier. Et on voit ici qu'il pleut un peu plus fort hein, dans cette zone-là. Donc il a l'air de pleuvoir dans le secteur 1, puisqu'on voit que c'est aussi à la fin du secteur 3, hein, de chaque côté de la ligne droite, que la piste est le plus mouillée et qu'il pleut un peu plus. Donc dans cette zone-là, la pluie commence à bien avoir humidifié la piste. Par contre, dans le reste du circuit, ça a l'air d'aller pour l'instant. Donc là, de toute façon, vu l'avance que j'ai, je pense que je peux me permettre de rentrer au stand pour les mettre des pneus intermédiaires. Mais je pense que si je les passe maintenant, ça sera un peu tôt. La piste n'est pas encore assez mouillée. Enfin, du moins dans toute cette partie-là. On va arriver dans la partie où visiblement ça doit être bien mouillé maintenant puisqu'il pleut sur cette partie du circuit. Donc on va voir où on en est. Et effectivement c'est déjà un petit peu plus humide ici. J'essaie de réaccélérer pas trop fort quand même pour éviter de partir en glisse. Ah, la piste commence à s'humidifier dans ce secteur. Mais c'est encore un peu tôt pour rentrer mettre les pneus intermédiaires, donc je pense que je vais rester encore un tour de plus. Et je passerai mes pneus dans le tout dernier tour, hein, l'avant-dernier tour. Là faut que je fasse attention parce qu'il y a à nouveau une partie humide ici. Et là ça glisse vraiment, donc là oui effectivement il faudra rentrer à la fin du tour. On voit les pneus qui évacuent l'eau qui est déjà tombée. Ça s'est vraiment intensifié dans ce secteur là, donc il n'y a plus d'hésitation vraiment à avoir, il va falloir rentrer changer les pneus pour finir la course. On a vu que là direct dès qu'on arrive sur la partie mouillée avec les pneus pour le sec, hein, ça glisse même bien. Et c'est vrai que dans ce secteur là par contre il n'y a vraiment pas besoin des pneus humides. Des pneus intermédiaires. Donc le choix est délicat, mais bon, je pense qu'il va être nécessaire de l'y passer. Parce que la pluie est en train de se généraliser un peu à tout le circuit. Là ici, d'ailleurs, j'en ai loupé mon freinage et je suis allé un petit peu mettre la voiture dans l'herbe. Alors on roule un peu sur des œufs dans cette partie du circuit.
attention ici à pas se retourner, ça va être délicat. Et hop, c'est reparti. Ça glisse, ça glisse. Ah, la piste est vraiment mouillée à cet endroit là. Donc là, plus d'hésitation, on rentre au stand, on va aller mettre les pneus intermédiaires. Même s'il reste quand même une partie à un coin du circuit qui n'est pas bien humide, mais bon, j'ai pas envie de prendre de risques. Si je gagnais cette course, c'est des gros points à mettre pour le championnat. C'est la deuxième course hein, de cette saison 4, donc tous les points sont bons à prendre. Même si c'est vrai que ces points-là sont pas vraiment mérités, mais bon, je les prends quand même. Alors est-ce que l'IA va opter aussi pour changer de train de pneus? Apparemment pas. Alonso a d'ailleurs pris l'avantage sur Vettel. Et l'IA reste en piste avec les pneus secs. Ils vont vraiment être en difficulté. Déjà qu'ils l'étaient avant, mais alors là... Là les conditions sont vraiment devenues compliquées pour rester avec des pneus pour le sec. Je comprends pas vraiment, mais bon, c'est le dernier tour en même temps, ils ont peut-être pas voulu tenter le diable. En tout cas, moi, pour ma part, je finis mon Grand Prix tranquillement avec les pneus intermédiaires, puisque j'ai tenté de rentrer hein, finalement, et ça paye, même si ici, là, je vais être un peu en difficulté sur cette partie du circuit qui est complètement sèche. Hein. D'ailleurs, je suis très prudent. J'ai réussi vraiment à me défaire de Alonso et Vettel sans aucune difficulté. Je reviens à nouveau sur Bottas hein, qui est dernier avec sa Williams. Mettons d'avoir fini avec cette course, encore quelques virages. Le Bottas qui est complètement à la dérive. Ce qui est complètement normal en même temps avec les pneus secs. Mais bon, même avec les pneus intermédiaires, on voit que c'est compliqué. La voiture patine même à la réaccélération. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le secteur 2, il y a l'air d'y avoir eu une petite sortie de piste. Est-ce qu'il va y avoir de l'abandon dans l'air ? Alonso mène toujours devant Vettel. On connaît la capacité d'Alonso pour conduire sous la pluie. Et donc voilà, c'est une victoire qui, bon, comme je vous l'ai dit, est vraiment sans saveur. Des points trop facilement gagnés à mon goût. Et donc, résultat, nous avons donc Fernando Alonso qui est deuxième devant Sébastien Vettel. On a failli avoir le doublé Ferrari sur le podium, hein, comme je vous l'avais dit. Felipe Massa était juste derrière, bon, à 6 secondes quand même. Jenson Button 5ème, Nico Rosberg 6ème, mon coéquipier finit à la 7ème place. Il a réussi à se débarrasser de Mark Webber, de Lewis Hamilton, Adrien Sutil 10ème, Ricciardo 11ème, Gutiérrez 12ème, Di Resta 13ème. Ensuite, nous allons retrouver Jules Bianchi hein, qui finit 15ème alors qu'il était venu s'infiltrer dans les premiers tours, dans les 10 premières voitures. Hein. Il a limité la casse, on va dire, il est quand même bien fini. Juste devant son coéquipier Max Chilton, Hülkenberg 17ème, Maldonado 18ème, Van der Garde 19ème, Charles Pic 20ème et 21ème Valtteri Bottas qui finit à un tour et Sergio Perez qui a abandonné suite certainement à un accrochage à cause de la pluie. Donc au championnat du monde des pilotes, je suis en tête maintenant. Grâce à cette victoire, Mark Webber qui était premier descend à la deuxième position et compte 11 points de retard. Nous avons Fernando Alonso derrière avec 14 points. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Felipe Massa, Sébastien Vettel qui n'est que 6ème, Jenson Button 7ème, Hülkenberg 8ème, Perez 9ème, Rosberg 10ème et Cédric qui remonte à la 11ème place avec ses quelques petits points. Et ensuite voilà le reste du classement. Du coup avec tout ça, l'équipe Lotus reprend la tête du championnat du monde des constructeurs, mais à que 2 petits points d'avance sur Red Bull et Ferrari qui sont tous les deux ex-aequo au deuxième. Ensuite on trouve Mercedes, McLaren, Sauber, Marussia, Force India, Toro Rosso, Williams et Caterham.
Donc voilà, une victoire, hein, 25 points à mettre dans la balance. C'est une victoire, comme j'ai dit, hein, qui n'a pas vraiment de saveur, mais bon, voilà, c'est profiter d'un bug du jeu. En tout cas, j'espère que malgré tout, cette course vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ma saison sur le Grand Prix de Chine, le prochain Grand Prix. Et avant de se quitter, je voulais vous faire voir, donc je suis allé voir dans les réglages, dans la difficulté, et vous voyez que je suis bien en légende. Donc c'était vraiment dû à un bug. Voilà, j'espère que vous avez apprécié quand même ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ma saison. Allez, salut à tous.